Nous sommes le 22 juin au club de golf Le Mirage pour la 8e édition de la Coupe Débit Savoie-Morel où 80 golfeuses se sont affrontées sur les beaux verts du parcours. Deux golfeuses en particulier dans la catégorie senior brut et amateur brut sont les championnes. Du côté senior, c'est Louise Boivin du Mirage. Félicitations. Merci. Et du côté amateur, c'est Valérie Tanguay. Félicitations, merci. Valérie. Madame Boivin, je vais commencer avec vous. Vous avez déjà gagné la Coupe en 2010 et en 2011, et là, c'est une troisième victoire. Comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui? Très heureuse. Mission accomplie. Qu'est-ce qui a été plus facile pour vous, donc, qui vous a aidé dans votre jeu? Je dirais jouer avec des partenaires intéressants, plaisants, et un beau terrain. Valérie, donc si on parle un peu de ton tournoi, tu as commencé la première ronde en deuxième place après avoir joué 70 coups. Et là, aujourd'hui, tu es montée pour devenir la championne. Donc, qu'est-ce qui a été le plus gros défi à relever pour toi lors du tournoi? De rester focussée sur ma game, puis dans le moment présent, puis de jouer un trou à la fois, un coup à la fois, mais aussi me concentrer sur chaque routine et faire les mêmes routines à chaque fois. Et finalement, comment est-ce que cette victoire va t'influencer sur tes prochains tournois, donc et ta qualification que tu vas avoir aux États-Unis prochainement? C'est sûr que ça donne de la confiance, mais aussi je veux faire les mêmes routines puis me concentrer un coup à la fois, un coup à la fois pour me donner confiance pour les prochains tournois. Puis juste faire la même routine va sûrement me donner des bons résultats. Parfait! Et finalement, rapidement, mesdames, où est-ce qu'on peut vous voir prochainement? Au Mirage! à la Calif d'US Amateur dans New Jersey, puis à Pinehurst pour le North and South. Super, mais félicitations encore. Merci. Merci.